23h sur Europe 1, l'heure de notre rendez-vous. Nous sommes à vos côtés, à votre écoute, pour chasser les ombres qui vous empêchent peut-être de trouver le sommeil. La ligne est ouverte jusqu'à 1h. Julie et Assiba attendent vos appels au 39-21 sous le regard bienveillant de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez sur l'antenne. Eh bien, nous appelons à ce même numéro si vous voulez dialoguer avec nous, puisque nous sommes en direct, comme tous les soirs, jusqu'à 1h. Vous pouvez, si vous êtes un petit peu plus timide, vous manifester par courriel sur le site europe1.fr ou par texto au 739-21 en commençant vos messages par le mot « nuit ». 2 heures de direct, 2 heures de partage, c'est tout de suite sur Europe 1. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez « nuit » suivi de votre message par SMS au 739-21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Marie-Laurence. Bonsoir Caroline, merci beaucoup de prendre mon appel. Oui, je vous en prie. Voilà, en fait, je vous appelais pour avoir un peu des éclaircissements ou du moins un avis un peu plus neutre par rapport à une relation que j'ai commencée il y a 3 mois avec un monsieur et à laquelle je tiens un petit peu parce que j'étais plutôt en hibernation affective jusqu'à présent. Donc, depuis mon divorce il y a 5 ans, et donc là, j'ai eu un petit coup de cœur pour cette personne. Ah, bon. C'est formidable, ça. Oui, ça fait du bien. Après une hibernation, surtout, oui. On peut le dire. Oui. Mais bon, ça fait toujours un peu peur, quoi. Donc, comme je vous le disais dans le mail, bon, c'est un monsieur qui a 55 ans, qui a 2 enfants en garde alternée, qui a une vie professionnelle hyper remplie et qui a eu une vie affective riche et tourmentée, en fait. Il a quand même... Enfin, il a eu 3 mariages... Bon, et voilà, enfin, il a bien vécu. Voilà. Oui. Et donc, nous nous sommes rencontrés via Internet et nous avons communiqué très rapidement par écrit, par oral. Bon, il y a eu le feeling, quoi. Oui. Ça s'est bien passé. Sachant que nous habitons à 200 km l'un de l'autre. Et puis, nous nous sommes rencontrés, en fait, chez moi, et bon, tout s'est bien passé. Voilà, pour ma part, un coup de cœur et. Lui, voilà, je lui plais bien, je pense, c'est évident. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il ne veut... Alors, on s'est vu 3 fois, parce que bon, c'est compliqué quand même, avec nos emplois du temps respectifs, c'est un peu compliqué. Donc, on s'est déjà vu 3 fois, et là, récemment, il y a 10 jours, je lui ai proposé qu'on se retrouve à l'hôtel dans sa ville, donc il était super content. Voilà. Oui, remarquez, on peut le comprendre. Une telle proposition, quel homme ne serait pas heureux? Oui, mais bon, je trouvais que c'était sympa. Bah, écoutez, oui. De bousculer un petit peu le quotidien et de changer un petit peu. Donc, il m'a invité à dîner avant et en discutant, je lui ai dit « Mais c'est bizarre, tu ne me téléphones plus. » Alors, on s'envoie des SMS, multiples SMS par jour, quoi. Oui. Au réveil, gentil, charmant, enflammé, prévenant parfois, tout ça. Mais je lui dis « Tiens, tu m'as plus téléphoné. » Mais bon, moi, je fais pas très attention. Enfin, je suis pas non plus obsédée par... Il me dit « Non, mais parce que je ne veux pas me faire vampiriser. » Bon. Mmh. « Ah bon, je suis un vampire ?» Alors, il me dit « Non, pas du tout. » Bon, sachant qu'il sort d'il y a 1 an d'une relation amoureuse difficile, quoi. Il avait tout quitté pour une personne et ça s'est mal terminé. Donc, évidemment, j'ai l'impression que ça l'a pas mal marqué. Tout quitté, c'est-à-dire ? Il habitait dans une ville et il a quitté ses enfants qu'il avait en garde alternée pour aller vivre avec cette personne. D'accord. Et donc, après, il m'a dit, en fait, ça s'est mal terminé, c'était une chieuse. Voilà, mais je pense que ça l'a énormément, énormément marqué, quoi. Un autre fait marquant aussi, en fait, c'est un monsieur qui a eu 2 cancers successifs il y a 5 ans et qui ont pas mal modifié sa façon de voir les choses. Donc, il est énormément dans
même par rapport à son boulot, il s'est resitué dans une autre, dans la kinésiologie, enfin l'auriculothérapie, donc pas mal. Donc il est très dans l'écoute des autres, dans l'empathie, donc il m'a sans doute cerné. Donc le problème avec moi, c'est que je suis assez entière, passionnée, impulsive, donc je pense qu'il l'a senti, quoi. Évidemment, ça ressort tout de suite. Donc, quand il m'a dit que bon, il me téléphonait plus pour pas que je le vampirise, ça m'a déstabilisée. Mais il y a de quoi. Là, il fait pas preuve de tellement d'empathie pour le coup. Alors, paradoxalement, en même temps, il me dit est-ce que tu serais prête à aller passer un week-end en Italie avec moi? Des trucs. Après, pendant le repas, il me parle de ses enfants, il me montre des photos. Mais dites-moi, parce qu'il vous dit, vous déploriez qu'il ne vous téléphone plus. Ça veut dire qu'au début de votre relation, qui remonte seulement d'ailleurs à 3 mois, hein, c'est très récent votre relation, il vous téléphonait. Oui. Oui. Donc déjà, 3 mois plus tard, il met de la distance. C'est-à-dire que pas dans les... Au début, ça a été très... Au départ, très flamboyant, très intense. Et déjà, c'est ce que vous me disiez dans votre mail. Hein, c'est des SMS, toujours très nombreux, mais le téléphone, non. Non. Donc il dit, je veux pas me... Mais bon, il avait été clair dès le début, oui. En fait. C'est-à-dire la première, quand on s'était vu, on s'était envoyé un mail... Quelle suite comptes-tu donner à notre relation? Mais je lui avais dit, écoute, on verra bien. Moi, je cherche pas spécialement à me caser non plus, mais j'ai envie de partager de bons moments avec quelqu'un. Et lui, il m'avait mis, moi, c'est pareil, mais je ne veux pas d'une relation avec des rencontres réglées au métronome, un truc trop régulier, un peu lourd, Je lui avais dit, ok. Donc, il m'avait déjà averti, dans un sens. Oui, mais c'est-à-dire qu'il ne veut pas du tout que ça bouscule sa vie. Il ne veut pas que ça bouscule toute sa vie. Voilà. Moi, j'ai Oui, mais je vous rejoins complètement. Je vous rejoins et il est en train de tout verrouiller, de tout cadenasser, de reprendre complètement le contrôle. Alors, comme vous dites, au début. Mais ce qui est un peu effrayant, c'est qu'au début, votre relation, elle ne date que de 3 mois. Donc c'est là où c'est quand même très préoccupant, parce que 3 mois on est dans les débuts. Alors moi donc, je me dis, ne va pas. C'est ce que je ne vous cache pas que c'est, ça ne va pas. Si on n'est pas fougueux, si on n'est pas au départ, on le sera jamais. Oui, je suis d'accord avec vous. D'un autre côté, il faut du temps pour appréhender quelqu'un, pour faire connaissance, oui, d'accord, mais il faut aussi accepter, dans la rencontre, on est d'aller dans l'inconnu. Or, si on veut être dans le contrôle et ne pas se laisser bousculer, parce que la rencontre avec un autre... On est dans de l'étrangeté, c'est un saut dans l'inconnu. Évidemment. Donc on est forcément bousculé. Et c'est ce qui fait peur aussi. C'est ce qui fait qu'on est déstabilisé, c'est ce qui fait que tomber amoureux est angoissant pour tout un chacun, parce que on fait l'expérience de la dépendance. D'une certaine façon, quand on tombe amoureux, on ne se suffit plus à soi-même, on est dépendant d'un autre et si cet autre vient à manquer, c'est angoissant. Bon, donc, mais là, cet homme, il laisse pas, il veut pas laisser. Alors, pour des raisons qui lui sont propres, il a ses raisons. Oui. Mais le problème, qu'est-ce que vous allez faire de ça, si ce n'est vous? Soit vous pouvez, pour le moment, vous pouvez toujours tenter les choses. En tout cas, vous affirmer. Là, vous affirmez davantage parce que vous le faites tenter, en tout cas, de le faire. Parce que, mais il botte en touche. Mais alors, à ce moment-là, quand parce il vous envoie des SMS, vous n'y répondez pas. Vous le laissez aussi, lui, dans le manque. Qu'il se rende compte aussi de voir ce que ça fait. Par exemple, dimanche, en fait, moi je ne le harcèle pas du tout. Enfin, il est parti en vacances. J'ai cru comprendre. Oui, pas du tout. Enfin, bon, je suis normale. Mais j'attends quand même. Je veux dire, il faut un minimum syndical, quoi, comme on dit. Mais donc, là par exemple, dimanche, je lui ai dit gentiment, coucou, quand nous revoyons-nous.
Oui. Bon, c'est gentil. Enfin, rien de plus. Oui, non, oui, ça me paraît un peu plus légitime, votre demande. Oui. Eh bien, il ne m'a pas répondu. Oui. Il m'a pas... Alors, après, comme il ne répondait pas, je lui mets tu veux, enfin. tu veux ou tu veux pas. Si tu veux, tant mieux, point de suspension. Oui. Oui, vous faites preuve d'humour, oui, vous êtes de l'humour, dans l'autodérision, enfin. Oui, mais oui. C'est là où lui, je le trouve pas. Vous voyez, quand vous dites que vous m'avez dit depuis ses cancers, il est dans l'empathie, dans l'écoute des autres, non, je trouve pas, en tout cas pas avec vous. Je trouve que, voyez, vous lui. Bah oui, mais enfin, c'est un peu facile. Écoutez, dans ces cas-là, il va pas dans une relation. S'il est pas prêt, après tout, c'est son droit. Oui, il va pas être prêt, oui. On peut, s'il veut garder une liberté, s'il veut, c'est son droit. Mais à ce moment-là, qu'il vous le dise, qu'il dise je n'ai envie que d'une aventure. N'attends rien de moi. Qu'il soit encore plus clair. Non, il n'est pas clair. Alors je me dis, est-ce que je dois être brute de décoffrage? Ou je le laisse venir? Je suis déstabilisée. Parce que je suis pas à l'aise, quoi, en fait. Mais alors le problème c'est qu'il me plaît, donc j'ai l'impression de me scléroser, quoi, vous voyez, parce que j'ose plus. Mais c'est ce qui est pénible, c'est que vous dites vous avez peur de vous scléroser. Oui, c'est ce qui est pénible quand une histoire démarre de cette façon là oui. C'est que vous allez vous risquez de perdre votre spontanéité. Vous voyez, c'est que lui est dans le contrôle. Donc vous risquez de ne plus vous avez envie d'appeler, vous ne pouvez pas appeler alors que vous en avez envie, et ça ne va pas. Ben non, ça va pas parce que c'est pas lui qui mène. Enfin, je sais. Ben c'est lui si, dans les faits, c'est lui qui mène. C'est lui qui mène le jeu. C'est lui qui mène le jeu. Alors, de deux choses l'une, soit vous vous affirmez dans la relation là. Il y a deux stratégies. Soit vous vous affirmez, c'est pas forcément la plus payante, mais en lui disant, parce que si vous lui faites peur, et ce qui est fort possible, parce que, mais après tout, bon, si tient à vous. Peut penser si malgré si c'est juste de si c'est seulement de la peur. Imaginons qu'il tient à vous et qu'en fait c'est un homme qui a peur de l'engagement au vu de son histoire passée, bon, mais qu'il tient à vous néanmoins. Vous pouvez côté, vous est-ce qu'on peut tenir à quelqu'un au bout de 3 mois? On peut commencer à ressentir un attachement, oui. D'accord. Quand même. Vous pouvez lui dire, vous avez le droit quand même de vous affirmer, de vous positionner en disant, moi, cette relation telle qu'elle se passe là, elle ne me convient pas. Oui, mais je pense qu'il me dira, bah, écoute, c'est fini. Très bien. Eh bien, écoutez, au moins vous serez fixé. Bah, c'est malheureux, mais au moins vous serez fixé, Marie-Laurence. Plutôt que de rester dans une incertitude... qui est pesante, parce que de toute façon ça ne vous, là la relation elle est pénible, elle est pas confortable. Soit effectivement vous pouvez être dans une autre stratégie qui est de le laisser lui aussi dans le manque, c'est-à-dire puisque il est dans à vous envoyer de nombreux SMS, vous n'y répondez pas systématiquement, vous le laissez vous n'êtes pas à sa disposition. Donc c'est un peu fuis-le, il te suivra, suis-le, il te fuira. Oui. C'est idiot. C'est pas idiot, ça peut porter ses fruits. C'est une stratégie. Eh oui, mais je ne suis pas dans la stratégie. Eh bien non, mais face à quelqu'un comme ça, je sais bien, j'aime pas normalement donner ce genre de conseils. Vous voyez, enfin, non, mais je sais bien, mais oui. Donc... Oui, mais donc, est-ce que c'est une relation qui vous convient? C'est la question à vous poser, peut-être. Bah, là, aujourd'hui, mais il me plaît, quoi. Mais oui, non, mais il vous plaît, mais pourquoi vous plaît-il? Qu'est-ce qui vous plaît en lui? Bah, beaucoup de choses. Enfin, son caractère, son humour, sa manière d'être, d'agir, enfin pas avec moi. Hein. Voilà. Ben, il est un peu l'homme que je rêverais d'avoir. Oui, pourtant avec vous,
Il agit pas. Il est. Pourquoi c'est pas. Il est pas très attentionné avec vous. Hein. Il est très égocentré quand même. Hein. En fait, le pourquoi vous vous dites ça par rapport au fait qu'il me téléphone pas, par exemple? Bah, je trouve. Je sais pas. Vous me dites, par exemple, en 3 mois, vous vous êtes vu combien de fois? 4 fois. C'est peu, non? Même si on habite à 200 km? Oui. Même si on a une vie... Oui, c'est peu. Vous êtes sûr qu'il est libre, cet homme? La première fois, je lui ai dit... j'ai émis un doute. Et il m'a dit... Bah, non, non. Et donc, il... Ah non, oui, il est vraiment libre. Oui, oui. Mmh. Il m'a dit, mais ça, je ne comprends pas que tu puisses dire ça de moi. Enfin, voilà, il a été un peu déçu que je puisse... Mais vous avez eu un doute? Non, mais sur un truc idiot. Oui, mais sur quoi? Sur quoi? Hein? Sur quoi? Un téléphone portable qui tombe en panne le vendredi soir. Hmm? Comme par hasard. Donc oui. Je lui dis, mon petit doigt me dit que... Oui. Mais je sais pas. Oui, dit, c'est intéressant. Les hommes effectivement mariés, on ne les voit pas les week-ends. Ils sont difficilement joignables les week-ends. Oui, mais au début, quand même, il m'appelait le soir à n'importe quelle heure. Oui, au début. Et alors? Ben, il le fait plus. Oui, mais enfin, il est... Enfin, oui, mais je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Je trouve en tout cas, mais c'est un point de vue, que c'est même à 200 km, je trouve que c'est peu de vous voir, de vous être vu seulement 4 fois. Oui, parce qu'alors en fait j'étais furieuse. Mais bon, peut-être que ça vous convient, mais vous, non, je non, vous non, sens. Non. Vous voyez, alors, pourquoi il met autant de. Finalement, que veut-il? Il veut une relation ou il n'en veut pas? Vous êtes en attente, et ça se comprend, vous êtes claire dans votre demande. Lui, je trouve qu'il n'est pas clair. Non, il n'est pas clair. Parce que soit avec vous, il dit, il veut une aventure, il vous voit très bien, mais alors après, qu'il soit plus clair. S'il n'a à vous proposer aujourd'hui qu'une relation par texto, c'est pas une relation. On n'a pas une relation avec quelqu'un s'il n'a à vous offrir que des textos ou vous voir une fois par mois. Est-ce que c'est une relation? Non, mais oui. Enfin, quand il m'a dit qu'il voulait pas une relation, enfin voilà. Mais veut-il une relation? Ça serait une bonne question à lui poser. Veut-il une relation tout court, cet homme? Pardonnez-moi d'être un peu abrupte, mais s'il n'a que des textos à vous proposer, qu'est-ce que ça signifie à 55 ans d'échanger par texto? Enfin, je veux dire, il n'a même plus de téléphone d'échange comme ça, de se parler. Ça n'a quand même rien à voir. On ne communique pas. D'ailleurs, c'est même pas communiquer, c'est se parler comme on est en train de le faire. On se parle au téléphone. Anonyme, quoi. Je veux dire, mais les textos, ça n'a rien à voir, enfin. Les textos, c'est très limité. Voilà. Alors, moi, ça n'a pas dis, de sens, une relation par texto. Ce n'est pas une relation. Mais il ne veut pas une relation. Enfin, ouais, je crois qu'il ne veut pas une relation. Quoi. Mais donc, ça, c'est clair dans ces cas-là. Et peut-être que là, il y a des conclusions à en tirer. Alors, ce coup de cœur, c'est là où il faut voir, mais ce coup de cœur que vous avez eu... À ce moment-là, ça resterait bon. Oui, enfin, faut pas non plus. On s'est vu 3 fois. Enfin, oui, voilà. Oui, mais bon, même vous sortez. Si me plaît, je vais pas non. Enfin, je m'en remettrai. Mais bon. Je crois qu'il faut. Je fais quoi? Je suis paumée. Vous ne répondez pas à ces textos? Je ne réponds plus à ces textos. Oui. Vous verrez bien. Et vous verrez bien à ce moment-là, et peut-être qu'il prendra son téléphone, ça mériterait à ce moment-là qu'il prenne son téléphone, s'il tient à vous vraiment qu'il prenne son téléphone et qu'il vous demande ce qui se passe. Et à ce moment-là, vous pourrez lui dire que ce que vous vivez ne vous convient pas. Et là, vous êtes en droit quand même d'avoir quelques exigences dans cette oui, histoire. Oui, je suis trop docile. Hein. Mais enfin, oui, docile. Mais oui. Vous n'exprimez aucune attente.
Vous êtes beaucoup trop. Vous laissez complètement. Si vous ne pouvez pas exprimer vos attentes au début d'une relation, quand est-ce que vous le ferez? Vous le laissez complètement prendre le dessus, au prétexte qu'il a effectivement une vie affective tourmentée, qu'il a eu deux cancers successifs. Mais bon, d'accord. Oui. Mais vous avez eu de votre côté des épreuves. C'est clair. Bon. Donc, vous voyez, c'est pas une raison pour vous effacer dans cette relation. Bon. Donc, le plus simple aujourd'hui, c'est de, quand il m'envoie des textos, je ne réponds pas. On ne répond pas par texto, ou vous pouvez lui dire, vous pouvez lui répondre, en tout cas, lui dire, moi, vous pouvez lui dire par texto que une relation par texto n'est pas une relation. Vous ne souhaitez plus communiquer par texto. Lui dire, laisser entendre que ça n'a pas de sens. Cela n'a plus de sens, quoi. Ben, c'est pas une relation, oui. Ben oui, mais comme il veut pas de relation, ça va s'arrêter là, quoi. Ben oui, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites, vous le dites vous-même dans votre phrase, Marie-Laurence. Si lui ne veut pas de relation, vous ne pourrez pas avoir une relation seule. C'est clair. Je comprends votre déception. Pourquoi il me dit qu'il est bien avec moi, que je lui plais beaucoup? Il peut être bien avec vous. Quel intérêt, une fois par mois. Oui. Voilà. Et alors? Ça correspond pas à ce que vous attendez, semble-t-il. Même si cet homme vous plaît et que ça a été, vous avez eu un coup de cœur. Après, tout alors, dépend. C'est vrai que j'ai pas eu le malheur. Enfin non, je lui ai dit, c'est vrai que. Je ne lui mets pas de pression du tout, mais je lui dis, on a nos vies bien remplies, et c'est vrai que... Mais si vous pouvez, vous... je ne sais pas, moi, je... Bon, après, si vous acceptez... Si vous m'appelez, ce que vous dites dans votre mail, vous êtes perdu, vous êtes désorienté, c'est que vous attendez autre chose. Sinon, après tout, vous pourriez vous contenter de cela. On ne serait pas en train d'en parler ensemble. Non, c'est clair. C'est que vous ne vous satisfaisez pas de ça. Le week-end dernier. Lui ne le vit pas comme vous, Marie-Laurence. C'est ça que peut-être qu'il faut arriver à comprendre. On n'est pas sur la même longueur. Donc il est bien avec vous. Parce que on peut penser que quand il vous voit, il est bien avec vous. Oui. Et puis le reste du temps, il a sa vie. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc ça ne sert à rien d'être patient. Ça ne changera rien. Je n'y crois pas, mais bon. Non, après, mais c'est mon point de vue. Je vous ai appelé, c'était pour avoir votre avis. Ça me paraît mal parti. D'accord. Ça n'a pas de sens d'attendre. Il vous dit pas d'ailleurs d'attendre. Il vous demande pas d'attendre. C'est là où, à la limite, il est plus cohérent. Parce qu'il pourrait vous dire attends, donne-moi du temps, donne-moi du temps, pourquoi ? Sur ce plan-là, au moins, il est assez cohérent. Il vous promet pas monts et merveilles. Il est assez cohérent sur ce plan-là. Oui. Il y a quelqu'un qui vous dit qu'il vous sera plus facile de vous remettre aujourd'hui que dans quelques années où vous serez totalement perdu. J'aurais pas attendu quelques années. Hein. Moi, je m'étais dit, s'il me propose pas de me revoir d'ici Noël, j'arrête tout, quoi. Et puis, il y a Laurent qui dit, malgré tous ses attraits, vous risquez une grosse déception. Il y a Angie qui s'étonne qu'il n'ait pas de téléphone fixe, cet homme. Et puis, il y en a un. Oui, bon. Donc c'est d'autant plus étonnant qu'il n'y ait pas d'appel comme ça. Et puis, petite Fleur qui dit, c'est pas bon, c'est, il faut rester vous-même et naturel, rester comme vous êtes. Mais oui, c'est ça, là, vous n'arrivez plus à l'être. Et puis il y a Johan qui dit, après l'hibernation, le réchauffement printanier ne s'installe que pour quelques jours, avant que ne s'installent de nouveau les petites gelées matinales. Mais une chose est sûre, elles augurent d'un été tout proche, le chemin vers le vôtre passera peut-être par cette histoire. C'est peut-être pas le bon anticyclone, mais beaucoup de chance affective à vous, dit Johan. Voilà, il pourrait nous faire une belle météo. Voilà, c'est joli. C'est le premier frimat d'hiver, là, donc c'est un peu dommage. Et puis Cocomine qui dit attention, un téléphone qui tombe en panne le week-end, se voir seulement
quatre fois en trois mois. Est-ce que cet homme n'a pas une autre vie? Bon, il y a des auditeurs aussi qui se demandent. Alors, peut-être pas. Peut-être qu'il n'a pas d'autre vie. Mais en tout cas, il ne vous fait pas assez de place. Et dites-vous, voyez, c'est pas forcément qu'il a une autre vie. Il a peut-être une vie à lui qu'il remplit. Il a sa vie. Et il n'est pas prêt à vous faire de la place pour des raisons qui sont les siennes. Et vous devez vous dire, Marie-Laurence, que moi je trouve que vous méritez mieux que ça. C'est ce que dit Brigitte aussi. Au bout de trois mois, quand même, aussi peu d'intérêt de sa part. Et Laurent qui dit, il semble que vous combliez une si toute petite part de sa vie. Donc, bon, ça a été très intense, très fougueux au début. Ça vous a fait du bien. Profitez de ça, de vous dire de ce coup de cœur. Enfin, c'est toujours bon, ça, à prendre. Maintenant, prenez ça pour vous dire, c'est possible. Vous êtes sorti de cette hibernation. N'allez pas y replonger. Partez de cette force de ce qu'il a fait renaître en vous. Mais ne vous engluez pas dans le doute qui pourrait maintenant s'insinuer du fait que... Parce que vous méritez mieux que ça, que ce peu de place maintenant qu'il vous fait. Je trouve, D'accord. Laura qui dit « Vous semblez très attachée à cet homme, mais à l'entendre, il est très égoïste. Son détachement doit être pour vous un signal d'alarme signifiant qu'il sera toujours ainsi. Avec ses personnalités, on est toujours déçu car on ne reçoit jamais ce que l'on donne. C'est une triste relation unilatérale. Courage, les hommes généreux, ça existe. » Enfin, c'est pas l'image qu'il voulait me donner. Mais d'un autre côté, après trois mariages et beaucoup de relations, je me pose quand même des questions. Comme il a quand même été quitté plusieurs fois. Oui, mais c'est... Oui, peut-être que, alors après, on ne sait pas. C'est pas parce qu'il a eu une vie affective très compliquée, très... Mais peut-être que, il garde des traumas de ses vies passées, des blessures. En tout cas, ce n'est pas à vous d'en payer l'addition. Vous voyez, quand il vous dit, on a l'impression, quand il vous dit, moi, ce qui ne me plaît pas, je ne vous cache pas, c'est quand il vous dit, par rapport à votre réflexion du téléphone, je ne veux pas me faire vampiriser. Donc, effectivement, l'image du vampire, alors que vous m'avez bien dit que vous ne le harceliez pas au téléphone, loin de là, parce que je vous trouve très, très peu exigeante. Pas assez exigeante. Mais oui, et là, il vous dit, il vous parle de ses relations précédentes en disant oui, c'était une chieuse. Bon, il n'a pas digéré cet homme. Il y a des choses qu'il n'a pas digérées de ses relations passées, de cette relation-là en tout cas. Et des choses comme ça qui n'ont pas été digérées, qui ont été mal vécues, parfois, ce sont les partenaires suivants qui en font les frais. Mais d'ailleurs, je lui dis... Et ça serait dommage. Alors amoureux, en tout cas, oui, ça veut dire que parfois il en reste des sentiments. Oui, quand il y a une, vous savez, l'amour et la haine, ce sont les faces d'une même pièce. Donc après c'est difficile. C'est peut-être pour ça qu'il attend de mal à vous faire de place. C'est sûr. Mais bon, après. Alors c'est peut-être ça quand des personnes disent, je vous disais, est-ce qu'il est vraiment libre? Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, mais que dans sa tête, il n'est pas libre. Parce qu'il y a trop cette femme, cette relation passée, qui est présente. On va accueillir Olivier qui est avec nous au 39-21. Ça serait intéressant d'avoir un point de vue d'homme également. Bonsoir Olivier. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Alors, que vous inspire le témoignage de Marie-Laurence? Moi, je suis un peu comme elle. Je suis célibataire depuis quelques années et puis quand je rencontre une femme, je m'emballe tout de suite. Pour moi, c'est l'amour de ma vie. Je pars dans les délires. Même mes enfants me remènent des fois à la raison en me disant de freiner un peu. Puis je me ramasse des baisses parce que je tombe sur des femmes qui sont mariées, des femmes qui viennent juste de se séparer. Donc c'est tout récent. Pour moi, cet homme-là, il est marié, quoi. Comme disait Marie, le téléphone qui tombe en panne le vendredi soir, ça c'est... Il n'y a pas photo, quoi. Non,
Moi, je suis un peu comme... Ouais. Ben non, je suis sûre que non, parce que, mais... comme disait Caroline, c'est parce qu'il a toujours quelqu'un dans sa tête. Hmm. Ah oui, oui, il n'est pas libre dans sa tête. Ouais. Il n'est pas libre. Alors, vous allez attendre combien de temps alors, avant qu'il soit vraiment libre dans sa tête? Ah non, mais je ne vais pas attendre. Ben non, voilà, c'est ça le... Voilà, vous pouvez pas attendre 3 mois, 6 mois, 1 an avant que... Ben non, parce que surtout, ça, je... dis, plus on attend, plus c'est difficile après, parce qu'on s'attache. Ah oui, oui. Moi, j'ai toujours le souci que j'ai, moi, je vais vous dire, c'est que quand je rencontre quelqu'un, voilà, bon, quand j'ai un échec sentimental, oui. je passe à autre chose, quoi. Voilà, je me dis, ben voilà, ça s'est pas fait, c'est pas ça, c'est, je me suis trompé de route, et puis voilà. Passer à autre chose, c'est pas toujours facile, quoi. Non, c'est pas toujours facile, mais il y a beaucoup, j'entends beaucoup, beaucoup de gens autour de moi, des gens, des femmes, qui me disent, oui, mais mon ex avant, voilà, il me faisait ci, il venait là, là, là. Alors, bon, voilà, on paye toujours le... C'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Mais... Est-ce que parce qu'il vous a beaucoup parlé de vous, de lui, pardon, Marie-Laurence, est-ce qu'il s'intéresse à vous, à votre vie? Est-ce que vous avez des... Est-ce que vous avez des enfants, Marie-Laurence? Oui, tout à fait, il s'intéresse à vous, parce que vous savez déjà beaucoup de choses sur sa vie en 3 mois, en peu de temps, finalement, il s'est beaucoup confié. S'est beaucoup confié au départ, donc... D'accord, et donc lui s'intéresse. Énormément, oui. D'accord. C'est beaucoup de choses et chaque fois, voilà, il était très touché par ma personnalité en fait. Voilà, il me disait que je le touchais, que. Bah, oui. Donc voilà, il a eu un peu un coup de cœur. Enfin, un coup de cœur. Et vous voir. Oui, non, mais certainement. Mais ça, ce n'est pas. Oui, je comprends. Il ne faut pas en douter, hein, je crois, Marie-Laurence. Le coup de cœur a été réciproque. Comment? Moi, je doute. Du coup, ça me fait douter de moi. Ah, mais non, je crois qu'il n'y a pas lieu de douter. Non, c'est pas vous, vous n'êtes en rien. Voilà, du coup, je me dis que je suis nulle, quoi. Non, il ne s'agit pas de remettre en question. Non. C'est lui qui n'est pas libre. Lui, il n'est pas libre dans sa tête. Il peut très bien. Le coup de cœur que vous avez éprouvé, il a certainement ressenti de son côté également. Ça, ce n'est pas du tout à remettre en question, Marie-Laurence. Vous n'avez pas à douter de ce point de vue-là. Simplement, après, il y a la réalité qui reprend le dessus, et là, très vite, d'une relation qui pourrait s'inscrire dans la durée. Et qui peut faire peur pour différentes raisons. Et là, le temps n'entre pas forcément en ligne de compte. Là où vous vous dites, en étant patiente ou autre, il y a quelque chose qui, chez lui, bloque. Et il bloque des quatre fers. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas. Visiblement, il donne quand même certaines clés en parlant de cette femme où il s'est fait vampiriser, où ça s'est mal terminé, où c'était une chieuse. Ou bon. Donc il y a des choses. Et il ne faudrait pas que ce soit vous qui payiez les pots cassés de tout ça. Voilà. Mais en revanche, ce que vous avez éprouvé, c'est certainement été réciproque. Vous n'avez pas à douter de ça. D'accord. Mais c'est vrai que ça laisse un goût... Un peu, oui, de déception, un goût amer. Bon, oui, mais vous l'avez vécu. C'est quand même merveilleux d'éprouver ça aussi. Oui, mais j'ai pas cette sagesse-là. Comment ? Je n'ai pas cette sagesse-là. Attendez, c'est un petit peu tôt. Vous allez voir, avec le recul, attendez, vous allez voir. Vous êtes vu 4 fois en oui, bon, vous allez voir, ça va, avec le temps, ça va vous aider. Enfin, il y a un petit message de Kiwi qui dit, s'il vous sait accro à lui, il a le dessus, faites-vous plus rare, entretenez le mystère, et sinon, lâchez prise pour votre bien. Moi, je vous conseille, effectivement, hein, ça rejoint ce qu'on disait, de vous faire vraiment plus distante, et vous verrez bien. On sait pas, il peut y avoir de bonnes surprises aussi, hein, peut-être qu'il peut, sentant vous éloigner, vraiment revenir en disant, bon, voilà, vous êtes importante pour lui, et revenir vous chercher. Mais en tout cas, vous n'avez rien à gagner à vous approcher. Donc pour l'instant, je n'envoie pas de texto. Ah, pas du tout, surtout pas. Et vous ne demandez. Votre relation ne me va pas. Non, vous ne répondez pas à ces textos-là. Et vous ne demandez pas, s'il insiste dans les textos. Vous ne répondez plus, c'est-à-dire que lorsqu'il m'envoie des baisers du matin en tout cas. Non, vous ne répondez pas. Non, vous ne répondez pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de vous envoyer des baisers et de ne pas être là dans la réalité. Et puis, il y a Petite Fleur. Je ne cherche pas à vous voir. Oui, non, on l'a vu. Non.
Bah, le week-end dernier, je l'appelais, il était parti se balader, je ne sais pas où. Oui, bah laissez-le aller se balader. Il y a Petite Fleur qui dit entièrement d'accord avec Laura, Marie-Laurence n'aura pas de mal à trouver mieux. Bon, pour le moment, vous avez du mal à l'envisager. Mais ça n'a pas de sens d'aller se balader, de vous envoyer des baisers, tendre, fougueux, passionné, tout ce que vous voulez, et en même temps, de ne pas être là dans la réalité. Hein. Oui. Donc vous ne répondez pas à ces messages-là. Donc d'accord, là j'ai compris. Oui. Sauf s'il me dit, bah, écoute, on se voit tel jour, à telle heure. Voilà, à ce moment-là, et puis là, vous pourrez un peu en parler de cette relation. Waouh, bah, ça m'a fait du bien. Franchement. Ah, moi, c'est pareil, moi, ça me fait du bien aussi parce que je me rends compte que je ne suis pas le seul dans le cas. Non, mais, non, mais ça fait du bien. L'amour est compliqué. Mais on est souvent tous très désorientés. L'amour est une des choses les plus compliquées hein, de l'existence. Non, mais c'est chiant, on est mieux tout seul. Hein. Non, pour autant, non. Pour autant, non. Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Allez, non. Pas désespéré. Bonne chance, Marie-Laurence. Bonne chance, Olivier. Au revoir. Alors Marie-Laurence nous parlait de cet homme qui lui envoyait de tendres baisers par texto. Et là je reçois un petit SMS qui dit « Ah, moi j'en ai connu du même acabit » qui m'envoyait des brassées et des roses rouges par la pensée. Ah ben oui, c'est moins onéreux, hein, vous me direz. Allez, on va accueillir maintenant Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous appelle ce soir, Caroline, parce que je suis un peu dépitée. Oui, qu'est-ce qui vous arrive ? Je ne sais pas quoi faire. J'ai donc une fille de 19 ans, oui. 19 ans au mois de mai, oui. qui attend un bébé et qui oui. doit accoucher aux alentours du 24 décembre. Ah, oui. Oui, c'est très bien. Sauf oui. que ma fille est bipolaire, a oui. eu un suivi psychiatrique sérieux jusqu'au début de sa grossesse. Oui. A tout arrêté, bien sûr, même les visites chez le psy pendant la grossesse. Pourquoi ? Parce qu'elle allait très bien, parce que c'était parfait, parce que la vie était rose, parce que... Elle se sentait mieux pendant sa grossesse. Elle se sentait vraiment très bien. Hein. Oui, mais c'est possible, il y a une amélioration parfois, oui, pendant la grossesse. Oui. Donc elle est enceinte depuis le mois d'avril, donc au mois de juin elle a passé son bac, elle l'a eu. Oui. Elle a trouvé un appartement tout de suite, elle s'est installée donc avec son amie. Oui. Et depuis, c'est vrai qu'elle gère tout, mais vraiment bien. Donc à la rentrée, elle est rentrée à l'IUT, lui travaille, donc effectivement tout allait bien. Oui. Jusqu'à aujourd'hui où elle a passé l'échographie donc du dernier mois. Oui. Et la gynécologue, c'est vrai, n'est pas une dame très comment je vais expliquer très très plaisante. Vous voyez, elle parle pas. Et lui a simplement dit aujourd'hui en la regardant dans les yeux, tu sais, vous savez, les contractions, ça fait très très mal. Ah bon? Oui, bah, c'est ce qu'elle lui a dit. Et bah, le monde de ma fille a basculé en une heure. Et depuis, elle a décidé qu'elle ne voulait pas accoucher. Depuis 16h cet après-midi, c'est le gros drame. Elle ne veut pas accoucher. Elle m'a même dit qu'elle regrettait d'avoir fait un bébé. Elle ne regrette pas de l'avoir. Elle veut bien l'avoir. Mais elle regrette parce qu'elle ne veut pas accoucher. Et moi, ça me fait très peur, si vous voulez, parce qu'elle a fait des tentatives de suicide. Elle est vraiment fragile, quoi. Enfin, elle était vraiment fragile. Et je ne sais pas, mais alors pas du tout comment réagir. Je ne sais pas comment la convaincre. Quand j'essaye de lui parler, elle me dit « Oui, tu me dis ça pour me rassurer, mais... » Mais alors, comment... Parce que je suis assez surprise qu'une gynécologue oui. tienne ce discours d'aller dire... votre fille lui a posé des questions, j'imagine, au sujet des contractions. Pourquoi ? Elle a des contractions en ce moment, votre fille ? Non, elle n'en a pas encore. Je ne sais pas pourquoi elle lui a dit ça. Pourquoi elle a été lui parler de contractions ? Je ne sais pas, ils ont parlé de la péridurale et puis elle lui oui, a parlé de contractions. Oui, parce qu'en plus, maintenant, on propose les jeunes femmes, la plupart des jeunes femmes accouchent sous péridurale. Oui, mais alors elle est allée évidemment sur des forums sur Internet. Elle a vu que parfois, quand c'est le moment d'accoucher, la péridurale ne fait plus effet. Ou que si elle arrive trop tard et que le travail rare. Est déjà commencé, oui. on ne pourra pas lui faire la péridurale. Oui, mais alors évidemment, c'est le problème avec Internet et les forums. Oui, c'est que il y a de tout. Hein, y a de tout. Et puis les personnes qui témoignent sont souvent celles qui ont eu des problèmes, celles qui ont rencontré des difficultés, et donc qui vont confier leurs difficultés. Donc ça a fini de l'angoisser. Mais ça me surprend quand même. Alors, est-ce que après votre fille a interprété ses propos, non, est-ce que présente. Ça correspondait non, à une angoisse? Parce que vous étiez présente. Oui, j'étais présente. Ah, vous étiez présente. Oui, puisque
son ami travaillait, aujourd'hui c'est moi. Mais comment c'est venu ? Dans quel contexte ça a été dit ? À propos de la péridurale, elle lui a demandé si elle avait vu l'anesthésiste pour faire la péridurale. Oui. Elle lui a répondu que oui, enfin que le rendez-vous était prévu. Oui. La gynécologue lui a répondu effectivement oui, parce que les contractions, ça fait très très mal. Et j'ai eu envie enfin, je pouvais pas intervenir parce que j'étais là, mais j'ai eu envie de lui dire, mais c'est pas, faut pas dire ça, quoi. Enfin, non. C'est vrai, c'est complètement. Alors moi, je lui dis. Bah, c'est vrai que des contractions, c'est très douloureux. Bien sûr. Mais d'où effectivement la péridurale et l'intérêt de la péridurale et encore ça dépend pour certaines femmes parce qu'il y a des femmes où la péridurale n'a pas toujours existé et il y a des femmes qui accouchaient plus facilement, je vais mettre avec beaucoup 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 de guillemets, que d'autres. Il y a des femmes qui ont des accouchements extrêmement difficiles et il y a des femmes qui ont des accouchements plus simples. Là aussi, je vais mettre toujours des guillemets parce qu'un accouchement n'est jamais une chose aisée. Mais que d'autres, ça dépend aussi. Et en général, c'est selon de mère à fille. Hein. On voit des mères qui ont eu des accouchements assez simples. Les filles, souvent, ça se répercute. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Comment ça s'est passé pour vous ? Bah écoutez, moi, ça s'est bien passé. J'ai eu deux enfants à 15 ans d'intervalle. Bon, le premier, c'est vrai que j'étais jeune. J'avais également 22 ans. Donc, c'est vrai que ça vous tombe un peu dessus. On ne sait pas trop. Oui. Et puis, ça fait 34 ans. Par contre, pour elle, j'ai refusé la péridurale. Et franchement, on a déclenché l'accouchement parce que c'était comme ça. Moi, j'étais à la région parisienne à l'époque. Et le médecin m'a dit, bon, bah, vous accoucherez à telle date. Le bébé est assez gros. On provoquera l'accouchement. Donc, je suis rentrée à la clinique, toute guillerette. Oui. À 9h du matin, à midi, elle était là, ma fille était là. Ah oui, en effet. Ça c'est vraiment... À 9h, vous êtes rentrée, à midi, votre fille était là. Oui, donc ça s'est bien passé, oui, en effet. J'ai beau lui dire, elle n'entend pas, là. Elle l'a tout le temps entendu dire, je veux dire, mais... Elle est trop angoissée pour le moment. Je ne sais pas comment... Il serait important qu'elle voit peut-être avec... Elle voit déjà la sage-femme qui va la suivre. Elle a rencontré une sage-femme à la maternité. Elle vient la voir toutes les semaines, mais ça ne sera pas celle qui la suivra à la maternité. Non, mais déjà la sage-femme qui vient la voir toutes les semaines. Oui. Ça sera important qu'elle en parle avec elle. Parce que les sages-femmes, souvent, ont une approche très, très humaine, beaucoup plus, très douce, très, ce sont elles qui sont là, enfin, dans les gynécologues aussi, mais elles accompagnent vraiment les femmes. Elle va pouvoir, certainement, la réconforter, entendre ses angoisses autour, lui expliquer, y compris, par rapport à ces questions autour de la péridurale, lui dire que à ce moment-là, ben, l'anesthésiste sera prévenu, enfin répondre à parer un peu toutes les questions qui surgissent autour de qu'est-ce qu'il y a autour de je ne veux pas accoucher, parce que ça peut être intéressant aussi dans cette peur. Oui. Qui finalement qu'on retrouve hein, chez beaucoup de femmes l'expriment comme ça, alors peut-être pas aussi directement, mais on l'entend parfois lorsqu'elles sont en thérapie, des angoisses autour de la peur comme ça d'accoucher, où elles expriment parfois avec leur sage-femme justement. Et puis là, votre fille, vous me dites aussi, pendant sa grossesse, elle s'est sentie très très bien. Ah oui. Vraiment, c'était incroyable. C'était plus la même personne, hein, je vous assure. C'était... Donc, pendant ça, vous voyez, c'était... Oui. Voilà. Alors, peut-être qu'elle a inconsciemment... Elle a peut-être pas envie que ça s'arrête parce que, pour elle, une fois que le bébé viendra au monde, elle se dit qu'elle va peut-être replonger dans ses difficultés. C'est-à-dire que c'est... Là, elle se sent aussi... Elle n'est pas seule. Elle a ce bébé en elle. Elle est... Vous voyez, elle est... Donc peut-être que aussi ces paroles qui sont évidemment des paroles traumatisantes, hein, ça fait très très mal, mais peut-être viennent fixer aussi quelque chose d'une angoisse et d'une angoisse archaïque. Et de quelque chose de plus profond. Alors je crois que il faut déjà qu'elle en parle à la sage-femme, qu'elle voit la sage-femme.
Et puis, ça serait peut-être bien qu'elle retourne un peu voir son psy, là, peut-être derrière, si la sage-femme ne la rassure pas. Mais moi, c'est ce que j'ai pensé. Mais alors, pour obtenir un rendez-vous avec le psy, maintenant, ça va être... Oh, vous pensez pas que son psy, sachant qu'elle est enceinte, quand même, là, ça, c'est une priorité. C'est une priorité quand même. Hein. Il sait que, oui, comme elle attend un bébé, là, on sait qu'il peut y avoir quand même, ça, il peut y avoir comme ça des, la grossesse aussi. À la fois, vous voyez, il y a différents cas de figure. J'avais une jeune femme qui m'avait appelée, qui était bipolaire, enfin, qui souhaitait être enceinte et qui avait très peur, justement, parce qu'on lui avait dit c'est pas compatible avec un traitement et donc, et je lui disais qu'il y avait des situations où ça améliorait l'état de des symptômes et d'autres au contraire où ça pouvait les aggraver. C'était ça dépendait, hein, c'était très différent d'une personne à l'autre. Bon, donc je pense que pour votre fille, si elle appelait son psy et il la recevrait, je pense en priorité. Et après, est-ce qu'il y a des risques qu'elle retombe comme elle était avant? De toute façon, si votre fille est bipolaire, il faudra qu'elle ait un suivi. Hein. Oui, non, mais le suivi, elle comptait bien le reprendre, hein, ça c'est certain. Ça, il faut qu'elle le reprenne. Qu'elle retombe comme elle était avant, non, c'est important quand même qu'elle soit... il peut y avoir après le fait... On ne peut pas anticiper comme ça à l'avance. La grossesse, pour elle, a été quelque chose de, et quelque chose de très positif. On sent, vous dites, il y a une rémission des symptômes. Tout à fait, oui. Donc, ça peut être angoissant aussi pour elle que ça s'arrête. Ah oui, je n'avais pas pensé à ça, mais effectivement, oui. Hein ? Donc, accoucher, c'est aussi ça. C'est l'arrêt de cette période de plénitude. Donc, alors, elle me dit qu'après, ça sera bien, sa fille sera là. Enfin bon. Oui, mais en même temps, c'est aussi être responsable d'un petit être. Et, oui. Et avec la peur de se retrouver face aux difficultés, d'être comme avant, et en même temps avec en plus la responsabilité du bébé. Donc, c'est normal déjà. C'est la plus grande responsabilité qui est, hein, pour un parent, hein. Oui, donc déjà oui. Quand on a des fragilités, c'est normal qu'elle soit angoissée. Donc c'est pour ça que je pense que ça serait important quand même qu'elle retourne voir un peu son psy avant. C'est-à-dire pour préparer aussi justement la perspective de l'accouchement, de quand le bébé sera là, qu'elle puisse un petit peu parler de tout ça. Et est-ce que vous pensez que je dois, sur les dernières semaines qui restent, là, que je dois être plus présente ou je continue à la laisser vivre là, il n'y a pas de souci, aucun. Mais depuis qu'elle m'a dit ça ce soir, je me dis, mon Dieu, peut-être qu'elle se trouve un moment toute seule et qu'elle... ça me fait peur. Elle est seule, là, ou son compagnon est avec elle? Non, son compagnon est avec elle, mais bon, lui, il travaille, elle va à l'IUT, donc il y a des moments dans la semaine où ils ne sont pas toujours ensemble, quoi. Ils ont chacun leurs activités. Donc... Je crois qu'elle a besoin d'être entourée en ce moment, hein. Ouais. Oui, je crois qu'il faut qu'elle soit entourée là. Oui, mais je vais peut-être. Ouais, mais je pense. Je... Au moment où elle accoucherait, mais je crois que je vais les prendre en fait. Il y a quelque chose où. Vous voyez, je reçois un message qui dit accoucher, c'est abandonner son rôle d'enfant et devenir mère. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour le moment, elle n'est pas seule aussi. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui font un bébé aussi pour. Combler aussi un manque, un vide. Bon, mais après, c'est une toute autre démarche d'être enceinte et d'avoir un enfant. Hein, il y en a qui aimeraient éternellement prolonger cet état de grossesse, hein, de cette sensation de plein, hein, par rapport à cette sensation de vide. Mais c'est pas du tout la même chose que d'avoir un enfant, que de devenir mère. Que de gérer après. Et ça peut lui faire très peur, hein. Donc voilà, de passer de bon.
Donc je crois qu'elle a, oui, elle doit avoir besoin de vous. Mmh. Ce que dit Kiwi d'ailleurs, c'est peut-être pas grand chose, peut-être qu'il faut joindre le geste à la parole, la prendre dans vos bras, la, peut-être la sentir protégée, enfin qu'elle a... Elle, d'ailleurs, elle s'est confiée à vous. Oui, donc, oui, et en tout cas, fortement lui conseiller de reprendre un rendez-vous en disant... je pense que, enfin, normalement, le psy qui la connaît comprendra que elle est dans une situation particulière où il y a quand même une situation de vulnérabilité. On sait qu'une femme enceinte qui appelle dans ce contexte-là où il y a, avec parlant d'une peur d'accoucher, il va pas lui donner un rendez-vous dans 3 mois. Oui. Donc normalement, elle doit être prioritaire. Il est en libéral, il est dans un centre. Dans un centre. Oui, mais écoutez, même dans un centre, oui, malheureusement, il y a des... C'est un CMP. Il y a d'autres personnes à qui elle peut parler. Il y a toujours des infirmières. Voilà, alors à ce moment-là, que quelqu'un puisse la recevoir. Oui. Que quelqu'un puisse la recevoir. Elle est prioritaire, là. Et puis, entre-temps, voilà, qu'elle voit surtout aussi la sage-femme. La sage-femme pourra aussi jouer un rôle de contenant. Elle a besoin d'être contenue, là. Beaucoup. Et on pourrait peut-être aller voir à la maternité aussi, peut-être. Oui, être dans ce lieu aussi, qui va être le lieu qui va contenir. Hein. Elle a besoin d'être contenue au sens propre et au sens figuré, au niveau de ses angoisses. Oui. Voilà. Besoin d'être entourée. Hein. Oui, mais je crois que je vais faire ça. Mais je vous dis, jusqu'à maintenant, en plus, elle a tout préparé. Vous voyez, elle était vraiment... Oui, mais c'est un... Bon, il y a eu... oui, mais il faut être vigilant aux paroles, aux mots et à ce qu'on peut déclencher, bien sûr, chez des personnes fragiles, bien sûr. Oui, tout à fait. Il faut être prudent dans ce qu'on dit. Hein. Les mots peuvent être doutables. Non, mais j'ai pas compris pourquoi... Non, on ne dit pas ça. Oui, non. Non, on ne sait pas la portée des mots. Il faut être très prudent. D'autant plus que 2 minutes avant, il lui avait dit que le bébé était tout juste assez gros. Écoutez, je pense que vous pourriez peut-être passer un petit coup de fil à la gynécologue en lui disant. Non, mais en lui disant, il ne s'agit pas de médire, vous savez, peut-être pour les prochains rendez-vous. Mais est-ce qu'il y en aura d'autres maintenant? Je ne sais même pas si c'est en cas de besoin, si elle va. Bah, pour l'accouchement, si c'est elle qui va l'accoucher ou si c'est. S'il y a un gynécologue. Elle n'en aura pas un autre jusqu'à. C'est pas son médecin accoucheur. Ah, mais elle va la revoir mardi en plus, oui. Ah ben oui, je vais peut-être. Alors moi, je pense quand même, hein, pour dire. Alors, il s'agit pas de la. Non, bien sûr, j'ai bien compris. D'être, vous voyez, parce qu'il faut pas vous la mettre à dos non plus, qu'elle soit cassante avec votre fille si elle est un petit peu froide. Mais le rappeler, étant donné les antécédents de votre fille, dire que bon, elle a été assez marquée et qu'elle a très peur aujourd'hui, qu'elle se montre, n'ose espérer un peu plus rassurante. Rassurante, voilà. Chaleureuse, bon, vous dites qu'elle n'a pas une personnalité très chaleureuse, mais un peu plus rassurante. Elle pourra, elle, expliquer en disant, vous savez, vous allez avoir une péridurale, l'anesthésiste sera prévenu, quand il est prévenu, il n'y a pas de raison. Enfin, qu'elle y revienne aussi discrètement, qu'elle n'ait pas le sentiment que ça a été téléphoné. Hein. Bien sûr, tout à fait. Mais pour lui dire quand même qu'elle soit prévenue, que ça a marqué votre fille. Oui, bah écoutez, je vais la joindre demain, effectivement. Oui, je pense quand même. On va voir du côté du psy et on va aller faire un tour à la maternité. Oui. Parce que comme dit Violaine, bon, elle peut aller pour ses cours de préparation à l'accouchement, puisque si jamais le bébé arrivait aussi plus tôt, enfin, d'aller dans ce lieu, de voir aussi une salle de naissance, de voir, enfin, ça un peu pour la rassurer. Voilà, et puis qu'elle, le personnel qui va s'occuper d'elle aussi. Et puis qu'elle rencontre, le personnel, qu'elle rencontre une sage-femme et pouvoir un petit peu expliquer les choses. Qu'elle puisse poser des questions. Bon, je vais faire ça. Voilà, oui. Et puis beaucoup l'entourer, elle a besoin d'être un peu entourée, contenue. Oui, je vais m'occuper d'elle. Bien, prenez bien soin d'elle. Merci, Caroline. Au revoir, Marie. Au revoir. Continue.
continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39-21 et bien sûr toutes vos réactions par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7-39-21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors concernant Marie qui nous parlait de sa fille âgée de 19 ans qui était enceinte et qui doit accoucher le 24 décembre prochain, sa fille donc qui est bipolaire, qui a vu son état s'améliorer pendant la grossesse, mais qui a été assez choquée par les propos de sa gynécologue qui lui a dit que les contractions faisaient très très mal. Depuis, sa fille dit qu'elle ne veut plus accoucher. Angie pose une question en disant « mais on ne peut pas demander une césarienne dans le cas d'une telle angoisse ». Alors je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais peut-être que ça peut être évoqué justement avec la sage-femme, éventuellement le gynécologue qui l'accouchera, parce que je pense que ce que je peux dire, c'est que pour des femmes qui ont des troubles d'ordre psychique, voire des troubles d'ordre psychiatrique, parfois il y a des problèmes justement au moment des peurs intenses, parfois des phobies de l'accouchement, mais au-delà de la peur hein, de l'accouchement, ça peut être demandé. Oui, donc après, il faut voir sur un plan physique, hein, parce qu'il y a toujours la dimension physique qui est à prendre en compte. Donc, il faut aussi l'aspect médical qui doit être pris en considération avec le gynécologue obstétricien. C'est une bonne question et ça peut être demandé si cette peur ne peut pas être surmontée. Maintenant, peut-être qu'avec une prise en charge, tant au niveau de la sage-femme qu'au niveau du suivi psychologique, ça peut être aussi surmonté. Hein. Allez, on va écouter un petit peu de musique et puis après nous accueillerons Marie-Christine. Petit message aussi qui arrive encore pour la fille de Marie qui dit peut-être un peu tard pour des séances de sophrologie, mais pourquoi pas. Oui, tout ce qui est relaxation, enfin quelque chose de doux pour les femmes enceintes, mais dans les cours de préparation à l'accouchement, voir ce qui est proposé, bien sûr, hein, au niveau de la maternité. Je voulais faire un petit clin d'œil aussi très amical à Lali. Et puis, on va maintenant accueillir Marie-Christine. Bonsoir. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Je suis retraitée, j'ai 62 ans et j'ai fait connaissance d'un homme il y a à peu près une année. Oui. Où on fait partie d'une même association d'entraide à des personnes malvoyantes. Oui. Et nous avons sympathisé, disons qu'au début nous étions copains et dans l'association. Et puis la relation s'est intensifiée et s'est rapprochée. Et donc maintenant nous sommes amants. Oui. Et je suis mal à l'aise par rapport. Allô? On a perdu Marie-Christine. Bon, on va essayer de la rappeler. Alors, Doudou envoie un petit message au 739-21 à propos de la césarienne pour dire moi j'ai eu une césarienne et au réveil j'ai eu un sentiment étrange, comme si mon bébé était un petit peu étranger à moi. Alors c'est vrai qu'il y a des femmes qui parlent de cela, hein, dans le fait de ne pas avoir été, alors même si pourtant c'est une anesthésie, elle reste présente, elle reste éveillée pendant la césarienne, mais d'ailleurs c'est même pas une anesthésie, une césarienne se fait aussi sous, c'est pas sous péridurale d'ailleurs, le nom m'échappe. Ça se fait comment? Je sais plus si c'est sous péridurale ou enfin les femmes restent conscientes, je veux dire, et pourtant c'est un sentiment, pour avoir travaillé en maternité, que beaucoup de femmes m'ont confié aussi, en disant que c'est comme si le bébé parfois c'était pas le leur. Alors bon, donc sur des femmes qui peuvent être un peu fragiles, ça peut aussi s'accentuer. Donc c'est à double tranchant. C'est pour ça que bon, pas de généralité, il faut voir, il vaut mieux travailler
en avant sur ses peurs et voir ce qu'il en est. Mais bien préciser que parfois, la césarienne s'impose pour des raisons médicales. Hein. Et là, on n'a pas le choix. C'est une question de santé pour le bébé. Et il est important, parce que l'accouchement est trop long, de procéder, ou parce que le bébé n'est pas bien placé, de procéder à une césarienne. Allez, on a retrouvé Marie-Christine. Oui, je suis là. Oui, je vous expliquais donc que j'ai rencontré un homme et nous avons des relations rapprochées et des sorties aussi ensemble. Mais je suis mal à l'aise par rapport à cette situation-là que je pressens, se dilater au fil des mois, et j'anticipe un petit peu j'anticipe un petit peu la rupture, sachant que c'est une situation qui est un petit peu bancale. Mais dans le fait qu'il est marié, c'est ça, ça ne vous convient pas? Voilà, ça ne me convient pas. Et bon, c'est vrai qu'on est dans on est dans les prémices de la relation. Donc parce que ça fait 3 mois que vous êtes ensemble. Ça fait 1 an qu'on se connaît. Oui. Un titre amical, on va dire. Et puis ça fait 3 mois qu'on se rencontre. Mmh. Alors, que vous dit-il par rapport à son couple? Qu'il ne quittera pas sa femme. D'accord, là, il est clair là-dessus. Ouais, c'est clair là-dessus. Je suis la maîtresse, quoi. Mmh. Donc, il faut. Mais vous n'êtes pas à l'aise dans cette situation? Non, je suis pas à l'aise parce que j'ai l'impression d'être la quatrième roue du carrosse. Oui. D'être un petit peu le. C'est pas le jouet, c'est mal dit, parce que c'est. Il y a beaucoup d'attention, oui. Il y a beaucoup de prévenance. Mais bon, comme la dame tout à l'heure qui avait des SMS enflammés, moi j'ai des mails qui sont enflammés, qui sont très poétiques même. Et bon, j'appréhende la rupture et à la fois j'ai un double sentiment. Je voudrais conserver, quoi. Bah, c'est-à-dire parce que vous êtes très attachée à cet homme. Sinon, voilà. Sinon on entend bien vos scrupules, mais vous avez déjà un attachement qui s'est construit au fil du temps, qui fait que, tout en connaissant sa situation familiale, vous êtes allé dans cette relation, alors que elle ne correspond pas à votre conception de la vie. Et vous savez, vous espériez peut-être que il y aurait un espoir pour vous, que s'il allait avec vous, c'est qu'il n'était pas heureux dans son couple. Voilà, oui. Est-ce qu'il vous l'avait laissé entendre? Est-ce qu'il s'était confié à vous sur ce qu'il vivait dans son couple? Oui, il s'est confié à moi. Et puis, bon, ce monsieur est un artiste peintre, donc il se confie beaucoup, il parle beaucoup de son métier, de son art. Et en me demandant des conseils, je suis à la fois la confidente, quoi. Donc, il vous disait qu'il n'était pas très heureux dans son couple. Voilà, oui. Oui, oui. Mais en même temps, une fois que vous avez été sa maîtresse, il vous dit qu'il ne veut pas quitter son épouse. Voilà. Oui, donc il veut tout. Voilà. Oui, c'est là où il n'est pas... Vous voyez, il a créé... Enfin, il y a une complicité qui s'est installée entre vous. Il s'est senti très proche de vous. Mais pour autant, il ne veut pas quitter la relation qu'il a construite avec sa femme. Voilà. Alors ouais. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous attendez. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez la cinquième roue du carrosse? Parce que bon, tout à l'heure ça a été abordé. C'est pas de SMS, pas de mail le week-end,
faire attention aux horaires pour envoyer les SMS ou les mails. Je suis toujours sur la prudence et puis le respect aussi de sa vie. Et je me sens la cinquième zone du carrosse. Je me sens la relation agréable dans la semaine, quoi. Vous vous voyez beaucoup dans la semaine ? Oh oui, on se voit au moins deux fois par semaine. Mmh. Mais ça ne vous suffit pas. Vous voudriez davantage, c'est ça ? Bah, peut-être un petit peu et oui. Puis davantage. Oui, non, mais vous avez le droit hein, de vouloir davantage. Ouais, davantage peut-être de plus de complicité. Bon, bah, ça peut-être que ça viendra au fil du temps. Mais plus de complicité dans des sorties. Non, mais vous êtes très ambivalente parce que vous dites en même temps, vous vous sentez la cinquième roue du carrosse. De toute façon, il n'est pas libre le week-end. Vous ne pouvez pas l'appeler, évidemment, parce que le week-end, eh bien, il est en famille. Oui, oui. Et en même temps, vous dites, ça viendra peut-être avec le temps. Alors, est-ce que vous voulez laisser du temps à cette histoire où finalement, vous ne vous sentez pas à votre place ? Est-ce que dans ces cas-là, il ne vaut mieux pas arrêter tout de suite ? Si déjà vous, au bout de 3 mois de relation, je veux dire, je sais que cet homme, vous le connaissez depuis 1 an, mais ça fait 3 mois que vous êtes dans une relation amoureuse avec lui, où ouais. Déjà vous vous posez autant de questions et où finalement il y a beaucoup de frustration, déjà au bout de 3 mois. Vous voyez, parfois la frustration, elle vient plus tard dans ce type de relation, elle vient souvent plus tard. Au départ, il y a tellement de désir, il y a parfois même d'autant plus de désir qu'il y a une transgression de l'interdit. Oui, tout à qui fait. qui rend même du coup le désir encore plus fort. Oui, tout à fait. Or vous, la frustration prend déjà le pas au bout de 3 mois. Alors je ne suis pas sûre qu'avec le temps ça s'arrange, Marie-Christine, bien au contraire. Alors, est-ce qu'il ne vaut mieux pas vous dire, vous avez eu, on dit, mieux vaut des remords que des regrets, cet homme qui vous plaisait beaucoup, vous avez eu une histoire avec lui, vous savez que il vous plaisait, vous lui plaisiez, mais il n'y a pas d'avenir. Vous pourriez, si c'était dans votre philosophie, dans votre conception, de dire, vous pourriez être sa maîtresse et vous n'en demandez pas plus parce que vous avez une vie à côté, ce qui n'est pas simple, hein. Mais non, ça non, ne vous pas. Correspond pas, ça ne correspond pas à ce que vous êtes. Pourquoi vous forcez ? Pourquoi chercher à forcer les choses ? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Parce que vous disiez, en appelant au standard, que vous vous interrogez par rapport à l'avenir. Mais l'avenir, il n'y a pas besoin d'être voyante. L'avenir, lui, de son côté, il est clair par rapport à vous. Il ne quittera pas sa femme. Donc après, c'est plus par rapport à vous. Est-ce que vous allez vous accommoder de cette situation ? Oui, c'est ça. Ou pas ? Je suis en ce moment en train de réfléchir, oui. C'est entre vous et vous, finalement. C'est-à-dire, est-ce que vous allez faire avec ce que cet homme vous donne, sachant qu'il ne peut pas vous donner plus que ce qu'il vous donne actuellement ? Oui, vous voyez, quand vous dites, vous espérez davantage que plus de complicité, plus... Non, il ne peut pas vous donner plus que ce qu'il vous donne. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des sentiments pour vous, oui. Mais il ne peut pas vous donner plus. Il faut l'entendre, ça. Sinon, vous l'aurez. Si vous attendez davantage. C'est là où vous vous enfermez dans une relation, dans un leurre qui fait souffrir, qui au départ protège, et puis qui à la longue fait souffrir, dans laquelle s'enferment beaucoup de maîtresses, pensant qu'avec le temps, il va changer, il va évoluer, puis peut-être qu'il quittera sa femme. Et puis finalement, c'est... C'est pas possible, il y a les enfants, et puis après les enfants grandissent, et puis la femme est fatiguée, ou alors elle est malade, ou elle est en dépression. Il y a toujours de bonnes raisons de ne pas quitter la femme. Hein. Mmh. Bon.
Première, je sais qu'il ne quittera pas sa femme, et moi, à la limite, je ne veux pas. Bon. Parce que je ne veux pas détruire un couple, ce n'est pas, c'est pas mon intention. Alors ? Ben, je crois que je vais rester en statut de maîtresse. Ah bon ? Ah ouais. D'accord. Bon. Donc, vous contentez de ça ? Ouais. Bon. Alors, c'est ce que dit Jeanne. Difficile de décider. On ne peut pas décider pour vous. Réfléchissez dans quelle situation vous serez le moins malheureuse. Si vous restez avec lui, il faut vous persuader que la situation n'évoluera pas. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien, il y a beaucoup de messieurs seuls qui vous attendent. Courage à vous. Merci, Caroline. Et puis, il y a Cocomine qui dit on retrouve un peu le même cas que celui de Marie-Laurence. Cette affaire devrait vous faire réfléchir. Ouais. Voilà. Merci à vous. Voilà. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. Au revoir, Marie-Christine. Au revoir. Au revoir. Des messages, beaucoup de messages qui arrivent au 739-21 suite au témoignage de Marie-Christine. Sa réaction peut-être vous a surprise parce que c'est vrai que on avait l'impression que Marie-Christine hésitait et puis finalement, au dernier moment, nous a dit comme ça, bon, ben, je vais rester sa maîtresse et là, elle semblait subitement beaucoup plus déterminée. Alors Amanda de Corse dit « Cette relation ne peut que vous détruire, d'autant plus que vous souffrez déjà. » Bon. Cathy dit « Vous a-t-il dit la raison pourquoi il ne quitterait pas son épouse ?» Et elle ajoute « En restant maîtresse, on détruit le couple insidieusement. » Je suis pas sûre, ça. Je pense qu'il y a des couples qui, je pense que parfois, le fait qu'il y ait un amant ou une maîtresse préserve le couple. Parce que le couple ne tiendrait pas s'il n'y avait pas un tiers. Si cette liberté, le fait de cette respiration, le fait que cet oxygène de pouvoir respirer, se ressourcer et être heureux en dehors du couple conjugal permet au couple conjugal de tenir. Donc c'est là où c'est terrible pour l'amant ou la maîtresse, c'est que il permet souvent au couple officiel de tenir à ses dépens. Et puis quelqu'un dit justement 3 mois ou 3 ans, et c'est mon cas, on n'est toujours que leur petit plaisir en plus de la semaine. Il faut l'accepter ou fuir de suite. Bon courage. Eridan dit « Si j'étais vous, je demanderais à cet homme de peindre l'avenir de votre relation. Cela le ferait peut-être réfléchir. » Oui, c'est vrai, puisque Marie-Christine nous disait que cet homme était peintre. Donc, c'est une belle idée. Allez, on va accueillir tout de suite Amélie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Amélie. Je vous appelle ce soir parce que j'avais besoin de parler, en fait. Oui. Je suis enceinte de 5 mois. Oui. Et j'ai toujours les nausées et les vomissements comme les premiers mois, quoi, en fait. Oui, ma pauvre, oui. Ouais, ouais. Ça arrive et parfois, c'est... Ouais. Et en fait, je me heurte un peu à un mur d'incompréhension parce que... mes amis qui ont eu des enfants n'ont pas eu ce problème, enfin, oui. Seulement les premiers mois. Ma oui. mère n'a pas du tout été malade. Oui. Donc, en fait, c'est sorti un jour en discutant en premier avec ma mère. Et j'ai dit, moi, j'aime pas être enceinte. Oui. Et elle m'a regardée avec des yeux énormes, d'un air de dire, mais c'est pas possible de pas aimer être enceinte. Et... Si vous êtes très nauséeuse et que vous avez des vomissements, ça se comprend que vous n'aimiez pas être enceinte. Voilà. Ouais. Qui aimerait être tout le temps nauséeuse et vomir ? Personne ? Ben voilà. Et donc en fait, j'ai toujours un peu l'impression de passer pour un monstre, en fait, quand les gens me demandent comment ça se passe très bien, le bébé va très bien, moi... Oui. Pareil, quand on fait des prises de sang, les prises de sang sont bonnes, quoi. Oui. Mais le souci, c'est que je peux rien manger, donc j'ai perdu du poids. Oui. Parce que tout me dégoûte, tout m'écœure. Oui,
Oui. Et ben voilà, quoi, j'arrive pas à me sentir bien, en fait. Ben oui, non, ça je comprends. Oui, quand on a le cœur au bord des lèvres en permanence, oui, ça, c'est normal que vous vous sentiez pas bien. C'est insupportable, cet état-là. Qui normalement est, comme vous dites, c'est dans les premiers temps de la grossesse et ça passe. Et ouais. Puis malheureusement, il arrive, c'est exceptionnel et bon, là, ça tombe sur vous. Chez certaines femmes, ça peut durer tout le temps de la grossesse ou ça peut céder au dernier trimestre. Hein. Ouais. Oui, oui. Votre gynécologue vous a pas dit, ça peut un peu s'atténuer parfois le dernier trimestre. Bah, elle en fait. J'ai l'impression qu'elle ne me comprend pas, qu'elle ne m'entend pas quand je lui parle, parce que quand je lui dis je suis très fatiguée, je vomis beaucoup, elle, à part me donner des médicaments qui ne font aucun effet, voilà, quoi. J'ai pas... Enfin, déjà, j'ai pas... Elle, je trouve qu'elle n'écoute pas spécialement comment dire... mes mots de grossesse, en fait. Ouais. Et... C'est embêtant, ben, ça. Ouais, et en fait, même avec, ben, avec mon compagnon, avec ma famille, tout ça, j'ai pas l'impression que d'être entendue, quoi. Et oui. Ben, je reste toute seule avec mon mal, avec mes nausées, quoi. Et il y a des jours où c'est plus supportable, quoi. Oui, ça, je comprends. Et votre mari, votre compagnon, comment ça se passe? En fait, ça se passe bien avec lui. Bon, il se pose des questions parce que il a été abandonné par sa mère et il se demande comment lui va réagir face au bébé, quoi. Mais en fait, allô? Oui, je vous écoute. Mais en fait, sinon, à part ça, il n'y a pas de souci. À part, bon, bah, quand j'ai des nausées, il m'accompagne. Enfin, il essaye de faire le maximum, quoi. Mais oui, lui, il est très bienveillant. Il est attentionné pour vous. Voilà, oui. Il essaye de... Mais bon, pareil, il aime pas quand je dis il manque, ça se termine. Et oui, mais alors oui, lui, évidemment, s'il a été abandonné par sa mère, quand vous lui dites que vous n'aimez pas être enceinte, ça doit être angoissant. Oui. Alors qu'il n'y a pas du tout de... Vous pouvez très bien ne pas aimer être enceinte, et ça se comprend. Qui aimerait... Aucune femme n'aimerait être enceinte vu ce que vous décrivez. Parce que personne n'aime avoir des nausées et des vomissements. Personne n'aime vomir et, voyez, être malade. C'est ça. Vous dites, vous êtes malade pendant votre grossesse. Oui. Mais ça ne veut pas dire du tout que quand votre bébé sera là, mais vous serez très heureuse que votre bébé soit là et vous vous en occuperez très bien. Voilà, ça ne veut rien dire. Les gens font un amalgame à tort. À l'inverse, ça rejoint ce que je disais. Voyez, on en parlait un petit peu. Je l'évoquais avec tout à l'heure Marie et sa fille. Il y a parfois. Alors, je ne dis pas du tout que c'est le cas de la fille de Marie, hein, mais je parlais de façon plus générale. Mais il y a parfois des femmes qui adorent être enceintes. Elles adorent l'état de grossesse. Ouais. Mais en revanche. Qui sont très en difficulté avec leur bébé. Être mère, elles sont perdues, elles sont très désorientées. Ce qu'elles aiment, c'est être enceintes. Mais avec leur bébé, elles sont perdues. Bon, heureusement, dans la grande majorité des cas, bon, il y a des femmes qui aiment être enceintes, et puis après, ça se passe bien avec le bébé, avec leur bébé. Mais il y a des femmes, bon, pour qui, même si elles ne sont pas malades d'ailleurs, qui vont vous dire, oui, bon, la grossesse, ça s'est passé, mais ça n'a pas été... qui vont vous dire, ça n'a pas été quelque chose qu'elles ont vécu dans la plénitude. Hein. Elles l'ont vécu, voilà. Et en revanche, après, être maman, ça a été une expérience merveilleuse. Donc, ça n'a rien à voir, vous voyez, il faut pas que vous angoissez par rapport à ça. Et c'est cette image qu'on vous renvoie de vous, comme si, parce que vous n'aimez pas être enceinte, vous allez, ça va pas bien se passer avec votre bébé, ou c'est que peut-être, ben, avec votre bébé, vous n'avez pas aimé votre bébé. Ça n'a strictement rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, moi, depuis que je suis enceinte, le seul moment que j'apprécie, c'est les échographies, quoi. Eh oui, vous êtes heureuse de voir que lui va bien. Oui. Oui.
Ben, votre bébé, c'est ça, c'est-à-dire que c'est bien fait dans un sens, c'est-à-dire les choses sont bien faites, hein, je veux dire, pas c'est bien fait, c'est les choses sont bien faites, c'est-à-dire que vous, même si malheureusement vous perdez du poids, parce qu'évidemment vous avez tellement de nausées que bah, tout vous dégoûte, vous n'arrivez pas à vous alimenter, mais votre bébé pour autant, lui, il profite parce qu'il prend, voilà, il prend ce dont il a besoin. Et ouais. On voit que même dans des pays en voie de développement où les mères sont excessivement dénutries, quand les bébés viennent au monde, ben, ils sont pas rachitiques, ils sont pas squelettiques. C'est après, malheureusement, que c'est bien. Ils arrivent à prendre, tous les mères sont exsangues, mais les bébés, ils arrivent à prendre le maximum. Alors, ils pompent dans tout, hein, dans le calcium des dents, ils pompent tout ce qu'ils ont à prendre, mais ouais. Ils arrivent à prendre tout. Voilà. Il y a Sergio qui dit, ma grand-mère disait que les nausées, c'était les cheveux qui poussent, alors vous allez avoir un bébé très chevelu. Bah, en fait, il va avoir des dreadlocks, votre bébé. Beaucoup de brûlures d'estomac les deux premiers mois, et bah, ma mère me disait ça, elle me disait, c'est les cheveux qui poussent. Bah, bah, vous voyez, là, je savais pas. Matin, c'est pas un bébé. Oui, ça, je savais pas. Bon. Mais ouais, oui. Vivement que ça se termine, en fait. Oh, je comprends, mais je comprends, c'est mais est-ce que vous avez essayé peut-être par des médecines douces, de l'homéopathie, évidemment, ouais. En étant enceinte, vous pouvez pas prendre grand-chose, mais voilà. L'homéopathie, il y a pas des choses un peu qui peuvent vous soulager? Non. Rien. J'ai essayé, ouais, et en fait ça change rien du tout. L'acupuncture, j'ai pas encore essayé, mais est-ce que vous pourriez pas essayer ça, ouais. L'acupuncture? Si, parce qu'en fait, là, j'en suis à un point où j'essaierai tout et n'importe quoi. Mais oui, parce que ça, je pense qu'il faudrait demander, mais je pense que des points d'acupuncture, peut-être, pourraient vous faire du bien. Je pense qu'il n'y a pas de contre-indication. Je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer. Mais un médecin qui pratique, enfin, voilà. Il faudrait demander à quelqu'un qui pratique un médecin acupuncteur, vous le direz, s'il y avait une contre-indication, il ne le ferait pas. Oui, bah oui, parce que bah j'en avais déjà consulté, hein, pour des migraines, et en fait ça s'était bien passé, quoi. Donc je pense que je vais aller retourner le voir, parce que c'est innommable, quoi. C'est les étourdissements, c'est des trucs comme ça. Ah, mais c'est terrible, ça. C'est je comprends que vous ayez envie, oui, que ça s'arrête. Pour le coup, oui, vous aimeriez bien, vous, que ça se termine, dans le sens que, bien sûr, que votre bébé soit vite là. Ouais, oui. Bien sûr, ben oui. Donc peut-être essayer ça, essayer l'acupuncture, peut-être un peu, je sais pas, je pense à l'ostéopathie, je sais pas, eux, ils interviennent moins là-dessus, peut-être l'acupuncture quand même, si je pense à ça, travailler là-dessus, voir, travailler sur certains points, parce qu'ils peuvent presser certains points, appuyer sur certains points, sur tout ce qui est au niveau des nausées. Mm-hmm. D'accord. Parce que c'est compliqué de rester comme ça. Ça vaut le coup, en tout cas, d'essayer, oui. Je pense. Ouais, voilà, ça peut pas faire de mal, donc. Non. Ça peut pas vous faire de mal, non. Mais parfois, je vous dis, il y a une amélioration au troisième trimestre. Ouais, j'espère. Parce qu'en fait, ma gynécologue m'avait dit que, bah, après la fin du premier trimestre, ça irait mieux. Oui. Et en fait, ça n'allait pas mieux. Et j'ai pas eu de rémission, j'ai rien eu. Hein. C'est resté tel que de A à Z, en fait. Hein. C'est à cause des nausées que je me suis aperçue que j'étais enceinte. Je me demandais pourquoi j'étais dans cet état. Bah oui, alors c'est souvent le cas. Hein, c'est souvent le cas, mais le problème, c'est que chez vous, ça a duré. Il y a Osiris qui dit, on ne comprend souvent que lorsqu'on est soi-même confronté au problème. Hein. Et ça, là, c'est ça, vous n'êtes pas bien soutenu. Il faudrait leur expliquer, dire carrément à votre entourage, à votre mère, à vos amis, dire, bah, écoutez, comment voulez-vous que j'apprécie d'être enceinte en ayant tout le temps envie de vomir? Et leur dire, je suis ravie, la seule chose que j'apprécie dans ma grossesse, c'est quand je vais aux échographies, je vois que mon bébé va bien. Vous pouvez leur dire ça. Mais sinon, le reste du temps, j'ai tout le temps envie de vomir. Il faut leur dire. Mais pour ils le voient, parce qu'en fait... Bah, dites-leur quand même.
quand je suis invitée chez eux ou quand je vais voir ma mère, ils voient dans l'état où je suis, puis même ça se voit, j'ai une tête de déterré. Bah, quoi. Évidemment, évidemment. C'est vraiment affreux. Et ils le voient, et ils me disent, mais tu verras, tout ça, ça sera oublié une fois que tu auras vu le résultat, une fois que tu auras ton bébé dans les bras. Oui, d'accord. Oui, d'accord, mais en attendant, le temps est long. Alors, je reçois un message, là, un petit texto qui dit « Conseil d'un gynécologue dans l'émission Toute une histoire, grignoter pour lutter contre les nausées et éviter d'avoir le ventre vide. » Oui, alors il dit « Un bon moral est important. » Oui, mais quand on est toujours comme ça nauséeux, c'est vrai qu'à force, ça porte aussi sur le moral. Hein. Ouais, mais grignoter, c'est compliqué, oui, parce que on n'a pas envie de manger. Et en même temps, c'est vrai que du coup, avoir le ventre creux, c'est pas bon non plus. Donc bon, c'est peut-être... Mais bon, c'est compliqué parce que même des clémentines, des pommes, du raisin, ça arrive à me dégoûter. Ben oui, tout vous dégoûte. Donc, on va accueillir des réactions. Il y a des réactions pour vous au 39-21. Je propose qu'on les accueille. Bonsoir Camille. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Et Pierre, je ne me rappelle plus du nom de... C'est Amélie qui est avec nous. Amélie. Oui. Bonsoir. Donc, bonsoir. Moi, j'ai eu le même souci. Ça ne m'a pas empêché d'avoir 4 enfants. Mais bon, au-delà de ça... Et ça a été pareil pour vos 4 enfants Vraiment, je quel courage de... oui, non, mais vraiment, je dois être un peu maso quelque part. Mais au-delà de ça, c'est vrai que j'avais pas besoin de test de grossesse, rien du tout. Hop, c'était bon, etc. Donc, j'ai essayé l'acupuncture. Alors, ma mère qui a eu le même souci, elle, ça a très bien marché, l'acupuncture. Moi, j'ai eu un acupuncteur, il s'est arraché les cheveux, ça marchait pas. Ma mère m'avait dit aussi de manger avant de me lever le matin. Alors, bon, c'est des petits trucs. C'est vrai que le médecin me disait, bon, c'est vrai que le mieux, c'est finalement de dormir, d'être un peu au noir. Parce que le fait de ne pas être dans des pièces trop éclairées, paraît-il que c'est mieux. Moi, c'est ce que je vous dis, mais bon, ça n'a pas trop marché. Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, dans le temps, quand on parlait d'accouchement, on parlait aussi de délivrance. Ouais. Et moi, c'est vrai que c'était une délivrance. Et après l'accouchement, mais je suis toujours dans une forme extraordinaire. Alors qu'il y a des mamans qui sont crevées, fatiguées, etc. Moi, au bout de 2 jours, je signe ma pancarte, je suis alors impeccable. Et je pense que ce mot-là, il est un petit peu parti du vocabulaire. C'est vrai. Et c'est un peu dommage parce que je crois que, bon, moi je reconnais que la grossesse ne me plaisait pas en soi, j'étais pas bien, je sais pas que j'appréciais beaucoup mon corps, et c'est vrai qu'après, petit à petit, je me réappropriais mon corps, et puis, bon, puis le fait de ne plus avoir de nausées, d'être bien, c'était quelque chose que j'appréciais, et puis de mon bébé, voilà, j'étais en pleine forme pour lui, quoi. Donc je crois que... Mais c'est vrai, vous avez raison de souligner l'importance des termes employés. Oui. Et aujourd'hui, on parle d'accouchement et de délivrance. Ça veut dire que c'était pas forcément toujours une partie de plaisir, la grossesse. Hein? C'est-à-dire qu'on était délivré aussi, que la femme pouvait reprendre aussi le cours de sa vie, de son, voilà. Hein? Donc, délestée aussi de quelque chose de, voilà. Donc, exactement. Oui? Donc, je crois que, dans les temps modernes, il y a beaucoup de femmes qui sont, des fois, les grossesses à risque, elles restent 6 mois ou 9 mois allongées avec les pieds en l'air. C'est pas non plus une... Elles ne peuvent pas dire qu'elles aiment la grossesse. Il y a des fins de grossesse parfois très difficiles, hein, de rester comme ça allongée pour éviter les contractions. Je pense qu'on est quand même... Il y a un certain nombre de femmes qui n'ont pas vécu la grossesse. Et je crois que... Peut-être qu'Amélie, elle peut peut-être louer le DVD de Florence Foresti sur ça. C'est très bon. Et c'est très bon pour le moral, en plus. Elle montre ça à sa famille, elle comprendra. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est une excellente idée, ça. Oui. Mais bon, au-delà de ça, il faut qu'elle se dise que. Alors, c'est vrai qu'elle peut essayer l'acupuncture parce que, bon, il y a des gens qui sont plus ou moins réceptibles. Et comme visiblement ça marchait pour sa migraine, ça peut peut-être très bien marcher pour ça. Voilà, mais. Mais merci beaucoup, Camille, pour ces conseils. En tout cas, c'est réconfortant de savoir que ça ne vous a pas empêché, vous, d'avoir 4 enfants. Exactement. Voilà. Se dire que quand le bébé arrive, et finalement, parfois, on est tellement mal avant qu'on finalement, on se trouve super bien après. Voilà. Merci beaucoup.
Bon, merci. Courage Amélie et bonne soirée Caroline. Merci Camille, au revoir. Emma nous envoie un petit message pour dire moi j'ai la maladie de Crohn et très très souvent des nausées. Et pour ces nausées, j'ai testé beaucoup de choses, énormément de choses. Et en buvant du thé à la menthe, eh bien ça passe. La menthe, hein, paraît-il, c'est très bon, c'est vrai. Alors du thé à la menthe, dit Emma, chacun a ses petits trucs. Un message qui dit est-ce que vous mangez bien dans le calme? Parce que ça peut éventuellement en jouer quand on mange dans du stress ou dans l'angoisse, bien déglutir, dit cette personne. Beaucoup disent l'acupuncture, notamment on dit Nux Vomica en granules, dit Monique. Et puis on va accueillir maintenant Christine qui est également avec nous au 3921. Bonsoir Christine. Oui, bonsoir. 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 Alors, bon, j'ai eu 3 enfants. Oui. Et le premier, pour le premier qui était une fille, j'ai eu des nausées absolument mais épouvantables. C'était, et jusqu'au jour où j'ai découvert, parce que quelqu'un me l'a dit, que si je ne me posais pas le pied par terre avant d'avoir mangé un petit peu, mais même très très peu, un petit morceau de pain ou un fruit, et bien si je mangeais avant de me lever, il n'y avait plus du tout de nausées. Alors, j'ai eu des nausées pendant 2 mois et demi à peu près, et quand j'ai su ça, ça a été terminé. Et puis pour les 2 autres grossesses, c'était des garçons, alors j'en ai déduit que les nausées c'était plutôt pour les filles, mais enfin... Pour mes fils, j'ai quand même mangé avant de me lever et je n'ai jamais eu la moindre nausée. Jamais eu. Alors ça, on m'avait dit que c'était c'est quelque chose de presque mécanique. Il ne faut pas surtout se lever l'estomac vide. Ah oui, oui, c'est ce que disait, c'est ce que nous disait Camille aussi. Hein. C'est ça, oui, j'ai entendu ça. Donc avoir quelque chose à portée de main sur sa table de nuit. Il faut même pas se lever pour aller chercher à 3 mètres. Sinon la tête tourne, il y a des vertiges et là ça se met en branle les nausées. Ce que vous aimez, ça pouvait être un yaourt, ça pouvait être un fruit, ça pouvait être un petit gâteau, enfin tout. Et très peu. Ce qui m'a frappé, c'est que après, je reprenais un petit déjeuner normal, mais je prenais le début de quelque chose à grignoter avant de me lever, ça c'est tout à fait important. Oui. Et ça m'avait été dit par ma belle-mère qui a eu une famille très 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 nombreuse, elle m'a dit qu'elle avait été comme ça et que en grignotant un tout petit quelque chose avant de se lever, ça lui avait évité beaucoup de soucis. Oui, donc ça, c'est pas ce que vous faites, vous, Amélie, le matin. Est-ce que de manger, même de grignoter quelque chose avant de mettre le pied à terre? Ah oui, il ne faut vraiment pas du tout. Non, bon, ça peut être un petit truc, hein, ça. Voilà. Il faut l'avoir sur la table de nuit. Oui, oui, oui. Oui, parce que c'est ça, ce... quelque chose de facile à manger. Ouais, voilà. Et après, je prenais mon petit déjeuner tout à fait normal, ce que je voulais. Oui, c'est pas forcément une grosse quantité, c'est avoir quelque chose un peu, et d'attendre un petit peu avant de se lever. Oui, un petit peu. Mais après, moi j'ai été étonnée, vraiment ça m'a changé la vie. Ça vous a changé la vie. J'avais beaucoup, beaucoup maigri et j'étais dans un état terrible. Ah, parce que les nausées, ça continuait toute la journée. Après. Ah oui, c'est épouvantable. C'est très, très pénible, je trouve ça, vraiment... Ça met le moral un peu... Ah, mais ça met le moral complètement à zéro, ça. Hein. Mais oui. Et c'est tout à fait... Moi, j'étais déjà... On n'a plaisir à rien. Hein. Oui. Je pesais 40 kilos au bout de 2 mois de grossesse. C'était quand même pas très bien. Oh là là, oui, en effet. Oui. Et après, curieusement, j'ai terminé mes 3 grossesses à 53 kilos, ce qui faisait quand même pas beaucoup. Oui. À pour le troisième, le médecin m'a dit, j'avais un peu supprimé le sel. Bon, et tout. Il m'a dit, non, mangez du sel. Oui, vous pouviez vous faire plaisir, hein, ça c'est sûr, Christine. Oui. Après, j'ai pas eu de chance parce que quand le dernier a eu 4 ans, mais ça ne venait pas des enfants, je suis devenue diabétique, alors j'étais obligée d'éliminer le sucre et ça m'a pas fait plaisir du tout. Oui. Mais justement, je reçois un message qui dit ne culpabilisez pas, Amélie, je n'ai pas eu de nausées pendant ma grossesse et pourtant, je n'ai pas aimé être enceinte. J'ai eu plein de désagréments tels que du diabète de grossesse. Ça c'est autre chose. Il y en a eu dans ma famille, c'est un peu compliqué. Et c'est un peu compliqué là. Mais moi, dans mon cas, pour les 3 grossesses, je pouvais manger tout à fait facilement. Et au contraire, j'avais tendance à ne pas grossir suffisamment. Et puis, j'avais pas du tout de problème de diabète, du tout.
Merci beaucoup en tout cas pour ce conseil précieux et je pense qu'Amélie va vous allez le tester hein. Oui. Merci c'est beaucoup Christine. Merci. Merci. Au revoir. Quand on a eu l'habitude d'avoir des nausées longtemps, c'est un petit peu de l'ordre du réflexe du coup. Donc il faudra peut-être en effet que vous mangiez un petit peu tranquillement et que vous vous reposiez un petit peu avant de vous lever, mais ça devrait beaucoup aider. Il paraît que c'est connu, mais souvent on ne le dit pas. Merci beaucoup alors de nous l'avoir dit. Ça peut aider aussi d'autres femmes. Merci. Ben oui, je pense merci. Que ça pourrait aider beaucoup de femmes. Et on va également accueillir. Je vous remercie beaucoup d'être intervenue, Christine. On va également accueillir Camille. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Camille. Bonsoir. Oui, alors c'est vrai que lorsque j'ai entendu votre témoignage, ça m'a ramené quelques mois en arrière puisque je suis enceinte aujourd'hui de 7 mois bientôt. Et j'ai vécu exactement la même chose que vous pour une première grossesse, donc je n'avais pas de référence. Et je suis tombée soudainement. Ça a été en quelques jours, très malade, à un point où je me suis dit, alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir. J'ai perdu 10 kilos en quelques semaines. En 4 semaines, j'ai bien sûr vu mon médecin pour avoir des antivomitifs puisque j'étais dans des vomissements très très aigus. Je suis allée aux urgences à plusieurs reprises en me disant bon ben là je vais pas pouvoir tenir et j'avais peur pour mon bébé et moi-même. Ouais. Et à chaque fois on m'a renvoyé chez moi me disant votre bébé va bien. Alors la première fois, la deuxième, la troisième et à un moment donné on ne veut plus voir le bébé. Moi j'étais arrivée à un stade où j'étais tellement malade que je ne pouvais plus voir ma grossesse. Je me suis dit, c'est plus possible d'être niée comme ça. Et puis, pour rassurer Amélie, à un moment donné, comme mon état de santé quand même était très, très délabré, puisque je ne pouvais plus me lever, je vomissais en dormant. Donc, il y avait quand même un gros problème au quotidien. Hein, et l'impuissance de pouvoir, à un moment donné, continuer à vivre comme ça, puisque je savais que dans le temps, ça allait être délétère. Ouais. Et puis, je suis tombée enfin sur quelqu'un qui m'a écoutée à l'hôpital et qui a fait une prise de sang, une énième, mais la bonne, sur les hormones. Donc la thyroïde, et c'est là qu'on a diagnostiqué un problème de thyroïde et qui expliquait les vomissements et qui aggravait les vomissements liés à la grossesse, on va dire de manière beaucoup plus naturelle. Et moi, c'était un problème de thyroïde. Et donc, en moins de quelques heures, on m'a tout de suite hospitalisée, et non pas en gynécologie, mais en thyroïde, ce qui m'a fait un bien fou, puisque pour une fois, on s'occupait de moi. Oui. Mais dans mon entité, vous voyez, j'étais pas juste, comme m'a dit mon endocrinologue, vous n'êtes plus qu'un utérus, c'est fini, vous êtes une personne à part entière et on va prendre soin de vous. Mmh. Et je me suis reposée à l'hôpital et ça m'a fait un bien fou. Oui, c'est intéressant. C'est important ces paroles où vous aviez l'impression, effectivement, à ce moment-là, quand il dit vous n'êtes plus qu'un utérus, enfin vous n'êtes pas seulement un utérus, c'est-à-dire exactement. Vous êtes une personne, quoi. C'est-à-dire, oui. Et il a pris en compte pas seulement la mère, la femme qui était enceinte, qui portait un enfant, mais vous qui étiez extrêmement en souffrance de par ces symptômes. C'est-à-dire, c'est ce que je vous demandais aussi, Amélie. C'est-à-dire comment l'entourage médical, la gynécologue, prenait en compte aussi ce mal-être. Parce que, bon, vous me dites, là, apparemment, elle s'occupe, bon, le bébé va bien, et tant mieux, c'est heureusement, et Dieu merci. Mais c'est important aussi de tenir compte quand même, et c'est primordial même, du bien-être de la mère. Enfin, vous voyez, exactement, on peut pas... Oui. C'est essentiel aussi. Bah, parce qu'à la dernière... Oui. Pardon. Non, surtout lorsque moi, très rapidement, on m'a dit des paroles d'un bon sens qui laisse songeur, ça ira mieux quand vous l'aurez vu à l'échographie. Et sauf que moi, j'étais déjà à je ne sais combien d'échographies, puisqu'à chaque fois, on ne regardait que mon ventre, et personne ne se préoccupait du reste. Et c'est pour vous dire que si vos échographies sont à chaque fois un moment de joie, c'est très bien. C'est vrai que moi, j'étais arrivée à un stade où, vous voyez, j'étais complète, je tournais la tête. Parce que pour moi, je voyais bien que le problème n'était pas là et qu'à terme, et d'ailleurs, on me l'a dit, oui, on a pris remettre en considération. Cause une grossesse. Oui. Merci beaucoup, Delphine. Aujourd'hui, votre bébé... Non, vous êtes enceinte de 7 mois, là. Hein oui, je suis enceinte et de 7 mois. Et ça va mieux, là. Eh bien, j'ai l'impression d'être enceinte que depuis 2 mois. Donc, je me réveille doucement. Vous revivez. Ben, écoutez, bonne fin de grossesse. Profitez-en bien, là, enfin. Merci beaucoup. Merci. On va accueillir également Assina. Bonsoir, Assina. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous entendre donc là en direct, parce que je vous écoute tous les soirs depuis quelques années. Merci. J'ai découvert votre émission. J'ai été extrêmement touchée par le témoignage de cette jeune femme enceinte qui a des nausées encore jusqu'au 5e mois. Mmh.
Alors, moi, je voulais lui donner un petit truc, une pratique que je fais et que je donne à certaines personnes qui ont effectivement des... Alors, elle a parlé de migraines aussi. Oui. Oui. Alors, les migraines, en fait, vous les avez eues avant la grossesse ou c'était pendant seulement ? Ah, c'était avant, bien avant. Depuis que je suis enceinte, j'en ai pas eu une seule. D'accord. Parce que, alors, ce qui se passe, c'est que souvent, je ne dis pas que c'est à tous les coups, mais souvent... ces migraines peuvent être provoquées par un problème de vésicule biliaire qui se spasme et qui ne délivre pas la bile dans l'estomac. Alors, ce que l'on peut faire, moi ce que je fais en tous les cas, parce que ça m'arrive de temps en temps, c'est que je prends un jus de citron que je mélange avec de la Vichy Célestin. Donc c'est bien de la Vichy Célestin, c'est pas de la Vichy Saint-Thior. C'est de la Vichy Célestin parce que cette eau, elle a des propriétés pathobiliaires très très intéressantes. Et le mélange Vichy Célestin citron, ça va faire dégorger la vésicule biliaire dans l'estomac. Et en général, si on a des nausées et un maux de tête, ça s'arrête très peu de temps après. Évidemment, si c'est lié à ça. Il faudrait peut-être voir, effectivement, je vous remercie beaucoup pour ce conseil, Yacina. Il faudrait peut-être voir par rapport à ces migraines, parce que vous étiez suivie, j'imagine, par un neurologue. Non, en fait. Ah. Bon, parce que les migraines, normalement, quand on est enceinte, ça régresse. Il n'y a plus de migraines. Mais il faudrait peut-être voir avec. Si vous n'étiez pas suivie par un neurologue, il faudrait peut-être voir. Quel traitement vous aviez, mais peut-être faire le point quand même sur un plan neurologique, parce que est-ce que ça joue pas aussi ces nausées, ce que vous avez. Faire un bilan un peu complet par rapport à ces nausées. Ça rejoint aussi ce que nous disait Camille ici. Si tous les conseils là qui ont été donnés ne marchent pas, faire un peu le point quand même avec ça, ne pas rester dans ces nausées comme ça jusqu'au bout. Bon courage en tout cas Amélie. Hein. Merci et puis merci à tous ceux qui sont intervenus. Merci beaucoup, bon courage, merci, au revoir.